Le syndicat national des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle revendique que la formation des jeunes dans le cadre du programme de formation de 5000 jeunes en entrepreneuriat soit confiée au cadre du département de tutelle. Il a exprimé cela aux hommes de médias en face-à-face avec la presse dans le but de lever quelques zones d'ombre sur la situation qui prévaut selon le syndicat au sein du ministère. Des précisions avec Jean Zongo et Aimé Solange Guigma. Le syndicat national des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle, SINAJFP, exprime ici son ras-le-bol sur la mise en œuvre du programme de formation de 5000 jeunes par an en entrepreneuriat, entrepris depuis 2008 par le gouvernement. Un programme qui, selon lui, est mal exécuté par les opérateurs du privé. Nous avons encore à l'esprit les sessions de formation bâclées par les cabinets de formation en 2012 et 2013. Sous le régime de la transition en 2015, nous avons découvert qu'au lieu de former 5000 jeunes dans le cadre du programme, les dossiers d'appel d'offres avaient été lancés sur la base de 30 jeunes par région, soit un total de 390 jeunes avec le même montant. Il réclame ainsi le rattachement du dit programme à la direction générale en charge de l'entrepreneuriat. Pour le SINAJFP, les cadres du département peuvent former entre 15 000 et 20 000 jeunes avec le même budget de 500 millions de francs CFA et faire le suivi et l'évaluation du programme. Il ne s'agit pas pour le syndicat d'engager un bras de fer avec les opérateurs du privé qui soumissionnent pour les formations en entrepreneuriat ou de les stigmatiser, mais juste d'interpeller les autorités sur le souci de la priorisation et de la rationalisation des ressources dans ce contexte d'austérité budgétaire, mais aussi à aviser les autorités sur les capacités techniques et opérationnelles des cadres à conduire le programme de formation en entrepreneuriat. Au cours de cette conférence de presse, le SINAJFP a également exprimé son indignation quant à la non-prise en compte de sa plateforme revendicative par le premier responsable du département et somme celui-ci de revoir sa copie. Il compte entreprendre des actions si rien n'est fait pour améliorer la situation.